Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sois Cool au Mike. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir consommer un maximum de pommes pour essayer de vous qualifier dans le tournoi hashtag Free Fortnite. Et peut-être décrocher un PC, un téléphone, une tablette ou même une console. Alors dans cette vidéo, je vais aussi vous montrer tous les emplacements de pommes que j'ai récoltés sur internet. Et si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous donnerai un petit bonus pour vous aider à manger le plus de pommes le plus rapidement possible. Alors c'est parti déjà pour mon astuce numéro 1. L'endroit où il y a le plus de pommes, c'est tout simplement dans le verger qui se trouve au-dessus de Freezy Farm. Alors là, il faut savoir que j'ai une deuxième astuce parce que quand vous arrivez dans le verger, déjà, il y a à droite le verger de droite et il y a le verger de gauche. Les deux donnent des pommes. Mais c'est pas tout. Si vous cassez des arbres, vous allez faire tomber les pommes qui sont sur les arbres. Donc vous allez pouvoir récolter encore plus de pommes. Bon, bien entendu, ce que je vous conseille, c'est de trouver une arme, de ramasser toutes les pommes en priorité qui sont tombées par terre et puis ensuite seulement casser des arbres. Parce que vous trouverez plus de pommes par terre que sur les arbres et il vous faudra une arme pour vous défendre parce qu'à mon avis, il y aura full personne. Alors essayez de laver un maximum le verger. Si vous avez lavé tout le verger, bah là vous cueillez les pommes comme une cueillette, hein, comme si vous vous promenez au KLM. Et quand vous avez fini de cueillir toutes les pommes, ce que vous faites, c'est que vous faites 4 à 5 rampes d'hauteur maximum. Et là, si vous sautez au bout de la 5e rampe, vous allez perdre genre 80-90 HP. Et là, vous allez pouvoir consommer des pommes, jusqu'à vous remettre 100 HP. Donc là, ça va consommer blindé. Alors, ce que je vous conseille aussi, c'est de vous créer un petit parcours en créant des murs sur les côtés pour pas que les ennemis au loin essayent de vous tuer. Parce que si vous faites un dégât de chute et que vous prenez 90 dégâts de chute, et puis ensuite, il y a un type qui vous met une balle, il ramasse toutes vos pommes. Et après, ben, c'est lui qui les consomme. Donc faites attention aux alentours et aux petits malins qui vont essayer de vous niquer. Alors maintenant, je vais vous montrer plusieurs emplacements que je connais sur la map où il y a justement des pommiers, où vous allez pouvoir récupérer des pommes. Et restez bien jusqu'à la fin, j'ai une petite surprise pour vous. Donc voilà, là je vous ai montré tous les emplacements des pommes de Fortnite saison 3. Et voici ma surprise que je vous gardais en fin de vidéo. C'est une petite map que j'ai créée où vous avez tous les emplacements notés directement dessus. Comme ça, vous faites une petite capture d'écran et vous avez tous les emplacements et vous n'avez pas besoin de les retenir. Vous pouvez juste taper un petit coup d'œil si vous avez oublié un emplacement et boum, vous le voyez sur la petite map.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Le concours sera demain de 15h à 19h. Donc ne loupez pas le coche et essayez de manger un maximum de pommes pour gagner un putain de gros cadeau. Enfin bref, voilà qui termine cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était sur Cool Mec et ciao. Peace. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, 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 bruh.